Oh, tu es déjà levé? Hier soir, c'était énorme. Eh ouais, bébé, les magiciens connaissent plein de mon tour. Dis, t'aurais vu mes chaussures? Non. Quelle main? Gauche. Perdu. Ma gauche. Shifumi. Ciseaux. Bon, bah, encore gagné. Ce qu'il faut que vous compreniez, en fait, c'est que on ne cherche pas quelqu'un de chanceux ni de réellement doué. En fait, on cherche vraiment, vraiment quelqu'un de spécial. Statistiquement, je finirais bien par gagner. Suivant. Tu pars déjà? Je mangerai en chemin. Tu m'appelles, hein? Charlotte Soretti. Lifted by my wings, crouched on the sill. Doing acrobatics, moving from the matter in the air. Tu sais que mon but, c'est que je perde. Pas que je perde mon temps. You wouldn't believe what I saw. Vas-y. A lady in a turban looking at her future talent devices, and she said, man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming, before coming around. I don't wanna see your face around here. The time isn't right for you. You are. The time isn't right for you. I said the time isn't right. File-moi ton fric et tes clés aussi. Oula oula, j'ai pas de problème, monsieur. Oh bah dis donc, c'est votre couteau. Quoi? Hop là. Appelez scanner. Putain, mais pourquoi j'ai des boulets là? Tu les as trouvés où d'ailleurs? J'ai déposé les affiches dans la rue. Bah, t'auras pu rajouter un matin s'abstenir. Certes. Ok, je donne 20 euros à tous ceux qui partiront tout de suite et qui me laissent passer devant eux. Allô? Vous avez raison. Personne? Un mec vient d'arriver. 25? Et il est bien trop sûr de lui pour être un simple touriste. Je l'intercepte? Non, non, non. Pierre trouvait ça bizarre de ne pas avoir arrivé son agent. Attends qu'il s'assoie et amène-le-moi. Bien reçu. Suivant. Yeah. Vous devez être Gaba, à moins que ce soit vous. Non, Gaba, c'est moi. Ok, on va faire simple. Pour éviter que je perde mon temps... Si vous n'êtes pas sûr à au moins 2 millions de pourcents de gagner... Ah, 2 millions, ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Ok, à quoi vous voulez jouer? Je parie que je peux deviner dans quelle main vous allez cacher cette pièce. Pari tenu. Allez-y. Gauche. Il a dit gauche. Il a dit gauche. Quoi? Il a réussi? Bah, oui. Quel est ton nom? C'est Stéphane. Ok, Stéphane. Tu peux aller dire aux mecs qui sont de l'autre côté de ta porte que c'est bon, la fête est finie, ils peuvent rentrer chez eux. À ton service, mon pote. Bon, bah écoute, Stéphane, bienvenue dans la famille. Félicitations. Merci. Bah écoute, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et si je demande une Ferrari? Tu l'as. Et une villa sur la plage? Tu l'as aussi. Ah ouais? Comment t'as fait pour être aussi riche? J'ai gagné au loto. Tout simplement. Et toi, de ton côté, comment t'as fait pour trouver la pièce? J'ai des doigts de fée. D'ailleurs, le fait que je la trouve qu'une seule fois a suffi à te convaincre. C'est curieux, j'avais quand même une chance sur deux. Écoute, les statistiques sont mes alliés. Par contre, j'ai une petite question. Si on faisait une partie de dame, tu arriverais à me surprendre? Aucune chance. Une partie de dame. Top. Dame. Thank you.
qu'un flush royal. Et si je te parie que dans exactement 5 secondes, j'arriverai à prendre les lunettes qui sont sur ton nez sans que tu t'en rendes compte? Ça y est, ils sont partis. Mais... Quoi? Hé, hey, rends-moi ça, petit enculé. Bon, je t'ai battu 3 fois, tu veux qu'on continue? Un peu, mon neveu. D'accord. Alors si on parlait de mon paiement, plutôt? Ton paiement? Vas-y, dis-moi combien tu veux. L'argent m'intéresse pas. Par contre, je dois bien reconnaître que ça fait un moment que je me suis pas... serré une petite brune, mais... style métalleuse gothique. Tu peux m'avoir ça? Bien sûr. Je te parie que la fille qui va passer par cette porte va beaucoup te plaire. Excusez-moi, s'il y avait personne et la porte était ouverte. C'est ici, faut le... Ouais, c'est bien là. Et d'ailleurs, le voici. Il est trop fort. Il m'arrête. On vous laisse. Amuse-toi bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Dites, vous sauriez pas où je pourrais recharger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie? Ah, ça tombe bien, j'habite juste à côté. Mais c'est énorme, comment tu fais? C'est magique. Tu vas à notre tour? Carrément. Tu tiens à ça? Non, non, vas-y. T'es sûr, hein? Oui, oui, oui. Ok. T'as quoi tout de suite dans tes poches, là? Ben, mon portable, mes clés. Ok. Ton portable. Tes clés. Et... Oh! C'est quoi, ça? Bon, on va faire un jeu. Tu vas cacher tes clés où tu veux. Je vais fermer les yeux et je suis sûr que tu les as mises. D'accord. Monsieur, nous avons quelques questions à vous poser. Si vous voulez bien enfiler ceci et nos sueurs... Bon, pas envie. Vous ne comprenez pas. Nous ne vous laissons pas le choix.